Salut tout le monde, nous c'est Claire et Antoine. Nous sommes arrivés en Thaïlande il y a quelques semaines. Après avoir passé nos premiers jours à Phuket et dans le golfe d'Andaman, nous avons décidé de remonter tout au nord à Chiang Rai où nous avons pu découvrir la ville et ses magnifiques temples. On a eu la chance de séjourner chez Marine et Dédé dans un village Keren avant de descendre à Chiang Mai, ville qu'on vous présentait dans notre précédente vidéo. Et aujourd'hui, on vous emmène voir des animaux. Salut! On espère que vous allez bien. Oui, très bien même. Aujourd'hui, nouvelle journée à Chiang Mai. Et on part pour une nouvelle expérience. Ouais, on va aller voir des éléphants. Donc on a choisi des sanctuaires qu'il y a autour de Chiang Mai. Ouais. Sans nacelle et sans monter sur les éléphants, bien sûr. Voilà. Et puis on va passer la demi-journée avec eux. Donc là, on attend notre chauffeur. Ouais. Et puis on va normalement un peu les nourrir, les accompagner à la rivière. Enfin voilà, on va découvrir tout ça au sanctuaire. On en a pour 1h30 de route à peu près. J'avais largement le temps de me rendormir. On a récupéré nos petits déjeuners à emporter. Est-ce qu'il est 7h du matin quand même, faut le dire. Et là, on attend le chauffeur. Et on vous emmène une nouvelle fois avec nous. Good morning. Ça y est, notre chauffeur est arrivé. C'est parti. On a pris place dans le minibus et on se dirige vers Happy Elephant Home, ça s'appelle. Bon crap, ça y est, on est arrivé. Salut les pépères. Enchanté. Morning. Morning. Ça va les crabes. Comme bon crap. Hello. Good morning, hello. How are you? Oh, good morning. Ça va, Dimai? Ça va, Dika? Oh, you speak Thai? No. Just few words. When you say good morning, smiley, I'm like, oh, you speak Thai. C'est l'heure de se changer. On va s'habiller. Ça y est, on est en tenue de Mahout. Le Mahout, c'est celui qui dirige l'éléphant, hein, c'est ça? On est hyper sexy. On est hyper tendance là, ouais. Christina Cordula sort de ce corps. On va vous présenter collection automne-hiver. La collection automne-hiver en face avec Perrine. Voilà. Alan. Et Ombeline, Maveline, pardon, Maveline. Oui. Il y en a pour tous les goûts. Et là, on va goûter des oranges, très petites oranges. C'est parti pour la rencontre. Ça prépare la cuisine là. Cooking class. Hungry. Cooking class for elephants. Yeah. On va éviter de se couper la main. Like me. Yeah. No. Be careful. We don't want your finger. All right. We have four stations here. Let's start. Okay. Allez. On va couper la canne à sucre. Ça paraît facile comme ça, mais. Donc il faut éviter de prendre les feuilles parce qu'il y a des petits cheveux qui. Il faut un peu laine de verre. Ah mais il y a pas de feuilles. I'm ready. Après le cours de cuisine, j'aurais jamais autant coupé de trucs dans ma vie. Ah, faut tourner. Si tu n'arrives pas à faire 20 coups, tu te trompes. Oui, thank you. YouTube te regarde, hein. Oui, bravo. Oh. Good. Yeah. Alors où est la délicatesse? Ah bah y a pas de délicatesse. You get better now. T'arrives, Alan? Bah je visualise mon ancien prof de maths. Si vous regardez, monsieur. Vous avez pas vu. Antoine n'étant pas assez rapide, bam. Bah dis donc. Tu t'es fait voler tes feuilles. Allez. I'm hungry. Allez. Alors. Attention, je passe, je prends un sac. Vas-y. Je pensais qu'ils étaient gros, du coup ça me rassure qu'ils sont pas.
énorme. C'est immense, moi, je trouve. J'attendais après. C'est quoi Je sais. J'aime beaucoup la position. Hey. Oh. Job is done. Comme si t'avais fait ça toute ta vie. Bah, c'était bien les filles, il y a du bon boulot. Hein. Attends, alors, Alan fait de la julienne de légumes. Je l'ai petite, mais. Voilà. Julienne. Allez, vas-y, Antoine. Ah, bah non, il y en a déjà plein. Je lui ai donné un tellement gros goût. Ah, c'est ça. Elle l'a bien choisi. Quatrième. Is this one better? Non, mais toi, tu veux. C'est bon, là, ça suit. On fait connaissance en la nourrissant. C'est bien, c'est pareil, comme les humains. T'étais en mangeant, tu. Ouais. C'est souvent ça. Hein. Bon, après avoir fait connaissance avec Tambay, on va découvrir. Tambay, on va. On va nourrir Molo. This is Tambay. Donc Molo est aveugle d'un côté parce qu'elle a beaucoup travaillé et a mal été soignée. Donc voilà. Elle a 50 ans, je crois. Yeah. Salut. T'en as pas encore. Tiens. This one, it's okay. Oh, c'est tout mouillé. Non, je te le donne, tu prends pas dans le sac. Bon appétit. Tu manges à tous les râteliers, toi, bam, deux dans la trompe. Allez, un troisième. Voilà. Regarde celui-là encore. Oh, là, non, mais beaucoup là. Molo, it's a lot. Elle est très gourmande. Donc on vient de leur donner en quelque sorte leur petit déjeuner ou leur petit snack. Leur goûter. Parce qu'il faut savoir qu'un éléphant, ça mange à peu près 10% de son poids par jour, donc soit 300 kilos. Donc c'est énorme. Donc là, on recoupe de la canne à sucre. Allez, c'est parti, hop, 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 hop. Et après, on va filer à la rivière avec eux. Ça y est, on est prêt, on a coupé les cannes à sucre et on repart à la rivière avec les éléphants. On a divisé les groupes en deux. Tambay, ma. Tambay, ma. En fait, elle te veut toi. I see sugar cane. J'ai faim. Tambay, ma. On a la même chose ici, si tu veux. Elle me l'a arraché. We have the same. Come here, Tambay, ma. Ça y est. Ah, voilà. Elle arrive. Bon, la rivière, j'espère qu'elle est pas très loin. Hein. On y est dans 3 jours, je pense. Allez. Ça y est, la v'là. Hey ho. Hey ho, on rentre du boulot. Non, c'est par là. That's because street food. They eat street food. Ah. Yeah. Cheap. Ah yeah. Molo. Je ne lâche rien. Elle va venir. Allez, allez, allez. Ouais, super. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Antoine le Maout. Antoine le Maout. Je vais finir dans la jungle. Je tente. It's not a banana, please. Hein? Il y a Malvin là-bas qui a l'air de pas mal gérer le truc. Elle les ramène. Les voilà. La rivière n'est plus très loin. Bon, Alan et Perrine, visiblement, vont se baigner avant les éléphants. Allez, go. Allez, viens. Tang Maïma, allez. Alors Claire, l'eau? Ça se trouve, ça va être trop froid. J'ai envie de les voir aller dans l'eau. Nous sommes avec des Bretons. Nous faisons honneur à la Bretagne. L'eau est fraîchement bretonne. On va avancer petit à petit pour s'anesthésier les jambes. Bon, Ma l'eau, elle est trop froide. Ils n'ont pas eu envie de venir. Ce qu'on peut comprendre. Hein. Nous, on s'est un peu rafraîchi. On a failli perdre Perrine dans le courant d'ailleurs, mais Antoine l'a récupéré. Et là, on va aller les nourrir avec de la banane. Tu nourris la banane? Ah oui, bah, c'est très gourmand de banane. Hein. Vas-y. Bonne? Ouais. Belle mémé. Bonne? Hop là. Bonne. Ouais. Bonne? Bonne. Ouais. Alors les Bretons, les Bretons. Ça, ça vient. C'est l'heure de monter dans le pick-up. Mon Dieu. Oula. Oh. Bye bye, elephants.
Va pas te casser la margoulette. On est dans le pick-up, bordel. Mais regardez, on est... Oh là là là. On va à la dure avec les chiens. Ah, mon pied. Moi, je préfère être assis parce que vu ma taille, non, je vais me retrouver dans le décor. En fait, les chiens, ils te marchent dessus, ils n'ont rien à foutre de ta gueule. Ils vont les magasins. C'est cool. Ouais, c'est cool. Bah, heureusement que vous êtes venus pour me voir quand même. Mais exactement. Ça y est, on est rentré, on est changé. Et il y a un super pad thaï qui nous attend. Apparemment, c'est le meilleur de Thaïlande. Ouais. Pourquoi t'en manges beaucoup ? Ouais. C'est pas de thaï, Claire ? Eh ben, très bon. Ça faisait longtemps que je n'en avais mangé un. Hein. Non, nous, on mange pas de thaï, c'est longtemps. Ouais, il est très bon. Il est vraiment bon. Ouais. En fait, du coup, là, il y a du poulet dedans ? Non. Elle a dit que c'était un végétarien. Okay. Ah, il est végétarien ? Ouais. Donc, c'est des œufs. Ça y est, on a fini de manger. Ouais, on a fini également notre matinée avec les éléphants. Les full day, ils vont travailler. Ouais. Oh bah non, mais Alan, il a déjà déserté en fait. On les laisse, ils sont là la journée, nous on rentre. Et du coup, c'est sur ce retour qu'on va vous laisser. Ouais. Si vous avez aimé, des petits pouces bleus. Pour nous soutenir, pour soutenir aussi les Bretons qui sont là. Oui. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire. On vous mettra de toute manière les coordonnées et comment réserver pour venir ici. Ouais. Dans la barre d'infos. Est-ce qu'on parle du prix ? C'était 1700 bahts par personne. Ouais. Et donc pour vous, en full day, c'était... 2400 bahts. 2400 bahts pour la journée entière. Voilà. Et puis, bah voilà. abonnez-vous. Abonnez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci de nous suivre. Et joyeux Noël. Et joyeux Noël. Et joyeux Noël. Et on se dit à bientôt. Ciao. Ciao. Longue vie à vous. Bye bye. Bye.